Moi, je suis François Hollande. Oh là là, Olivier, je vais pas y arriver. Anne, calme-toi, j'ai une petite surprise pour ta campagne présidentielle. Un programme ? Non. Des soutiens ? Non, non plus. Bah, mais tu vois que je vais pas y arriver. Si, écoute, j'ai demandé à un grand homme de gauche qui a déjà remporté une présidentielle de venir te coacher pour l'élection. Quoi ? Obama va venir à Tulle ? Non, plus petit. Biden ? Non, plus. C'est François Hollande. Ah bah voilà, bah je vais pas y arriver, hein. Coucou Anne. Bonjour François. Alors, on voulait savoir si vous pouviez aider Anne dans sa campagne. Ah oui, mais dites-moi, qui êtes-vous monsieur ? Ah bah je suis Olivier Faure. Olivier... comment ? Bah, Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, enfin. Ah, le Parti Socialiste ! Mais ça existe encore, ça ? Non, Benoît, revenez dans le sketch, là. Vous avez... est-ce qu'on peut revenir à moi, là ? Non, mais parce que ça va pas du tout ! Ma campagne prend l'eau de partout. Oui, mais prendre l'eau, ça porte chance, quelquefois. Alors, vous avez des conseils à lui donner ? Oh, tu sais, ma petite Annie... Non, mais c'est Anne, moi, c'est Anne. Oui, c'est pareil, une élection, c'est avant tout une course. Oui, bah ça, oui, je sais, oui. Ça, et oui. Parfois, dans une course, il faut dépasser les 30 km/h. Mais tu vois, là, je vais pas y arriver. Mais si, je plaisante, tu sais, ton seul problème, ma petite Anou... Non, mais moi, c'est Anne. Oui, c'est pareil. Eh ben, c'est que tu fais peur aux Français. Hein ? Ben oui, la dernière fois, quand t'as vu sourire, c'était sous Giscard. Il faut que tu te détendes. Mais comment voulez-vous que je me détende ? Vous avez vu l'état de la France ? On dirait l'état de... La gauche ? Oui, ben voilà. Mais t'en fais pas, ma petite Annette. Anne, c'est Anne ! Oui, c'est pareil, je t'ai dit. Tu sais, la campagne est encore longue. T'es à combien dans les sondages ? 5%. 5%. Ah oui, t'arrives à faire moins que... Benoît Hamon. Bon, de toute façon, si t'échoues, t'en fais pas. Avec un nom comme le tien, tu pourras toujours tenter ta chance en Espagne. Merci, Benoît Hamon.